Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Au revoir.
Territorial des alliés auxiliaires de la justice. Territorial aux hommes
vous allez contribuer à la justice. Loi d'un école pénale des Alliés, et fait ça, ministre, aucun de ton officier du ministère public, à côté au cas de la carte territoriale, la négative des autres. À côté de rien de mort. Donc, à ça, c'est vrai, loi, les Alliés, papa, signe à Koutou, pour tout le monde, pour au moins, je vais te moi, je vais te faire moi, je vais te faire des influences. Mais en fait, je vais te c'est le gouverneur, le Saint-Guillaume, Salah, nous sommes pour faire des ministres de la justice, à réhabiliter la chef de quartier contre des OPJ en compétence restreinte. Par contre, on va ajouter tout. Un OPJ en compétence restreinte, c'est le seul qui a été. Même la police, moi, je vais tout amener dans le cas de la vie. Pour comment à la vie policière, à Zali au PJT, numéro, il y a au PJT qui s'agit. Carte d'habilitation à Zali à côté. Dès que moi, je vous place, il y a au Zali, au Zali au officier de la police judiciaire. Au Zali, la fiche d'habilitation, c'est signé par le procureur. Au Zali, la carte d'habilitation, signé par le procureur. Au moins, il y a au Zali, ça vous a dit. La canisse, la rue, la cinquième, la rue, on a dit que la rue, papa, la rue, ça y est. La congélateur, à Canada, pour la législation et son gagné, à ça, on s'en a dit, il y a madame. La tête est là, Bajan, on va pas avoir un monde, il y a pas mal, à ça, la tête. Mais Bajan, à quoi vous faites la main à la liberté? Bajan, c'est une bataille, pas de la main à la liberté, comme ça, je suis sur tout. Là, on va policier, dame de la travail, comme ça, tout ça, tout ça, la balise. La compagnie continue à faire un moyen de la société, d'être venus si nombreux ces jours
pour les traditionnels échanges de vœux. Cette cérémonie qui rassemble une belle représentation des forces vives de notre chère ville de Kinshasa témoigne du dynamisme de notre administration ainsi que de l'interaction entre les services urbains de la ville de Kinshasa. Je m'empresse donc de formuler à votre endroit et à celui de vos familles respectives mes voeux de prospérité, de santé et de longévité pour l'année 2020. Puisque cette année 2020, qui se veut unique en son genre, une année sui generis, puisqu'étant une année bissextile, année des 366 jours, vous apportez un dynamisme renouvelé au service des Quinoises et Quinois, pour le rayonnement de notre administration provinciale, dont vous êtes les dignes représentants. Qu'il me soit permis également de saluer la présence parmi nous de l'honorable Tshibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorable vice-président de l'Assemblée, que Dieu vous bénisse. Que les honorables députés provinciaux, à sa suite, ainsi que leurs familles respectives, reçoivent également mes vœux le meilleur et la réussite soit à leur portée. Mesdames et messieurs, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, première ville francophone au monde en termes de densité et de locuteurs et vitrine de notre cher pays sur le monde, fait face à des problèmes majeurs, notamment l'insalubrité, l'insuffisance de moyens de transport, le banditisme urbain illustré par le phénomène Kuruna, le chômage, le faible pouvoir d'achat, les érosions, l'incivisme et j'en passe. Ces problèmes sont récurrents et attendent des solutions pérennes en vue d'alléger les souffrances des Quinoises et des Quinois. Conscient de cet état de fait, en prenant mes fonctions, je me suis immédiatement attelé à les résoudre, en lançant notamment l'opération Kinshasa Bopeto, qui est une philosophie globale de changement de mentalité et d'assainissement dans sa plus large compréhension. Kinshasa Bopeto met les Quinois au centre de l'action afin d'assainir son environnement immédiat. Kinshasa Bopeto, c'est le signal obligatoire pour les Quinois et Quinois de s'intéresser aux travaux d'intérêt public. Nous sommes fiers de voir les Quinois et Quinois prendre conscience peu à peu de la nécessité de se mobiliser, de s'engager et d'agir en faveur de leur environnement immédiat. Les défis restent grands et les attentes énormes. Nous comprenons que parfois il y ait une certaine impatience. Cependant, l'administration de la ville que nous représentons doit faciliter, encadrer cet élan venant de la population, mais aussi des partenaires institutionnels, des acteurs non étatiques qui se mobilisent pour plus de résultats concrets dans notre environnement. À ce sujet, j'ai instruit les ministres de la Convention ainsi que vos maîtres pour l'accompagnement de l'opération du Tassampedo et j'attends de soumettre très bientôt à des contrats de performance pour plus d'efficacité dans leurs prestations et des prises de conscience dans leur gestion au
quotidien. Je préviens donc que celui qui ne donnera pas les résultats attendus sera tout simplement sanctionné. Il est vrai que toutes les grandes métropoles du monde ont leurs problèmes. Et pour la ville de Kinshasa, nous travaillons résolument pour résoudre le nôtre. Cependant, nous nous heurtons à des obstacles majeurs, notamment l'incivisme fiscal et le coulage des recettes qui privent le gouvernement provincial des moyens lui permettant de mener à bien sa politique. C'est pourquoi, dans le cadre de la mobilisation et encadrement des recettes, d'une part, j'ai institué une commission de suivi régulier des recettes et d'autre part, je mets en place un cadre de concertation dans lequel toutes les régies vont se retrouver chaque mois autour de moi pour des assignations et évaluations. Je compte aussi procéder à quelques réformes de nature à renforcer l'inspection des services pour les contrôles soutenus. Et par là, tout dérapage sera également sanctionné. Je rappelle donc au sens de la responsabilité des uns et des autres, car nulle union et les Quinois et les Quinoises nous attendent le résultat, et pour cela, il nous faut beaucoup de moyens. Les chefs de division de l'administration urbaine et qui sont les services d'assiette doivent travailler conformément à notre vision. Désormais, des rencontres régulières seront organisées avec moi pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos efforts de manière à mettre fin à tout désordre à la base de la fraude fiscale et coulage des recettes. En outre, les études montrent que c'est l'administration qui est à la base de l'urbanisation incontrôlée de la ville de Kinshasa et des constructions anarchiques qui sont également une grande préoccupation pour nous. Surtout, lorsque nous faisons face à des effets néfastes sur la population, les érosions, les éboulements des terrains et les inondations, etc. J'interpelle donc chacun de vous à travailler avec acuité, sérieux et professionnalisme afin de donner les moyens à l'exécutif provincial d'œuvrer efficacement pour le bien-être de la collectivité. Mesdames et messieurs, les Quinoises et Quinois sont victimes de l'insécurité due au phénomène Kuruma, Chegui, etc., qui sont une forme de criminalité urbaine. Ces phénomènes criminels s'expliquent certes par des facteurs endogènes et exogènes connus, mais je suis convaincu que les services de sécurité ont la possibilité de lutter contre ces fléaux. Non seulement les forces de police peuvent décourager la présence de Chegué et Kuruma aux abords du boulevard du 30 juin, aux abords des artères principales de la ville de Kinshasa et autres lieux publics par leur présence permanente, mais aussi elles peuvent sensibiliser en vue de décourager les racolages. Désormais, une enveloppe mensuelle sera allouée aux services de sécurité pour leur permettre de mener des actions quotidiennes contre les chéguets et les Kuruma dans le but d'éradiquer l'insécurité. Cette enveloppe doit être gérée avec parcimonie, bien sûr. Les forces de sécurité sont donc appelées à fournir cet effort. Mesdames et messieurs, j'apprécie particulièrement l'idée forte de l'ancien Premier ministre britannique, M. Churchill, qui disait, je cite, « Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Telle doit être notre détermination pour la résilience de notre ville de Kinshasa. » Je viens de suivre avec attention le mot prononcé
avant mon allocution et féliciter les ministres provinciaux en charge de la fonction publique pour avoir fait de la réforme de l'administration provinciale locale son cheval de bataille. Je reste convaincu qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail ainsi que la qualité de la vie de nos fonctionnaires. La réforme territoriale reste cependant un processus de longue haleine, mais je puis assurer les ministres de mon soutien indéfectible. Nous avons le devoir de relever ces défis afin de bâtir une territoriale de proximité et de développement intégral fondé sur les réalités spécifiques de notre chère ville de Kinshasa. Et je reste persuadé que cela sera possible si nous nous mettons tous en ordre de bataille. Avec l'homme au centre de notre action, nous réussirons. À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2020, une année que je souhaite pleine de réalisations positives à tous égards. Que vivent les Kinois et Kinois, que vive la ville de Kinshasa, que vive par-dessus tout la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la République de Kinshasa. Après les membres de l'exécutif provincial, nous allons appeler les membres du comité de sécurité. On nous signale qu'il y a des députés provinciaux dans la salle. S'ils sont là, nous leur demandons. Les membres du comité de sécurité, nous appelons également les directeurs généraux des régies urbaines. Les procureurs généraux du cours d'appel de Kinshasa.
gouvernement. Il y aura une photo ou des photos de famille juste à la sortie avant le cocktail qui vous sera servi.
demain avec les membres de la coordination et la cellule de communication du cabinet de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et ceux du protocole.
Mission TV, le miroir du monde.